Madame le Premier ministre, mes chers collègues, Monsieur Schulz nous a parlé de coup d'État et même d'une prétendue poutinisation de la politique polonaise. Oh là là ! Oui, le PiS est un parti populaire. L'attaque de la Pologne actuelle, c'est l'attaque d'un système européen contre la démocratie et contre les peuples qui ont choisi la souveraineté, la liberté et l'indépendance dans la solidarité. Des peuples qui croient encore aux racines chrétiennes de l'humanisme et dont l'humanisme n'est pas la fabrication d'un nouvel ordre européen suprême des ordres. Oui, la Pologne est un peuple de résistants à qui on doit la chute du mur. Oui, la Pologne et son peuple résistent car elle est conservatrice. Elle a des valeurs anciennes et vraies. La famille composée d'un père et d'une mère, le respect de la vie, elle croit en la vérité, au droit, à la justice. Elle est catholique et non pas libérale entre les mains de sectes contrôlant la société par la finance et les médias. Chers collègues, le système européen est en faillite. Sa démocratie est une dictature qui oblige les peuples à revoter dès qu'ils disent non à un traité ou qui ignore tout simplement le vote contre la Constitution européenne, par exemple. Le coup d'État permanent, c'est le système européen. La Pologne, la Hongrie, la Slovaquie, la Tchéquie, les pays amis de la révolution de velours que j'avais rassemblés avant la chute du mur, résistent désormais contre cette dictature, prête à attaquer, déstabiliser, destituer tout gouvernement qui ne travaille pas pour les puissances étrangères, qui gouvernent ici et cherchent à gouverner les peuples européens. L'Alsacien que je suis résiste contre également l'arrogance allemande. Nous, les Français patriotes, nous ne supportons plus avec les Polonais qu'un pays, l'Allemagne, décide de l'économie de la zone euro, de l'immigration et de la conformité de la démocratie aux critères du nouveau Reich européen. Je demande à cette Assemblée de retrouver son bon sens. Oui, la Pologne est attaquée parce qu'il y a délit de conservatisme social, humain et chrétien. Croyez-moi, cela ne fait que commencer. La révolte des peuples est lancée. Elle vous balayera. Et c'est ce que vous méritez. L'heure est proche. Das Wort hat jetzt der Ich muss das jetzt leider noch mal wiederholen, meine Damen und Herren auf den Tribünen. Das ist in unserer Geschäftsordnung strikt untersagt. Ich wäre deshalb dankbar, wenn Sie aufhören würden, Beifall zu spenden. Wir sind hier gastfreundlich, aber im polnischen Parlament würden Sie keine 5 Minuten auf der Tribüne geduldet, wenn Sie sich so verhalten.